Hey, bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le serveur Magicraft. Alors on se retrouve sur le serveur Magicraft si vous voulez un peu pour découvrir toutes les décorations d'Halloween. Alors c'est, je pense que ça va être assez sympathique. Alors par contre de ce que j'ai l'impression, ils ont un peu fait les décos inventés. Sachant que c'est vrai que cette année à Disneyland Paris, les décorations Halloween c'est pas foufou. Franchement il n'y a pas énormément de... Si vous voulez, ils ont tout concentré dans Frontierland. Donc après je trouve pas c'est terrible. Après enfin on pourra en parler au fur et à mesure de la vidéo. Alors du coup on va un peu découvrir voilà ce café Magicraft pour Halloween. Du coup Magicraft voilà qui reproduit Disneyland Paris pour ceux qui ne savaient pas. Donc alors, du coup on voit qu'ils ont le médaillon des 25 ans, déjà il est toujours présent. C'est assez sympa, voilà, il clignote toujours. Si on appuie, je sais pas ce que ça fait. Ouais, ça, en fait ça va dessiner le château à mon avis. Non d'accord, en fait, ça fait juste apparaître le 25. Mais c'est sympa aussi je trouve le fait de l'avoir mis en orange, ça fait un peu, ça fait penser à la saison si vous voulez. Donc j'aime plutôt. Alors après je suis désolé si jamais j'ai pas mis le son, c'est tout simplement car voilà j'ai pas envie de me prendre des copyrights avec YouTube. Parce que c'est de pire en pire si vous voulez maintenant, même des anciennes vidéos qui remontent il y a très longtemps et commencent à être copyright. Donc si vous voulez j'évite de mettre le son avec YouTube, voilà, de façon à pas d'avoir d'ennui. Et donc du coup voilà on va arriver du côté de Main Street. Bah, franchement j'aime bien ce qu'ils ont fait, certes en vrai il n'y a pas autant de décorations, c'est pas du tout comme ça. Mais j'aime bien enfin, le fait d'avoir mélangé un peu les décos du 25e anniversaire avec le Halloween, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Parce que en fait, si vous voulez, en gros pour ceux qui ne savent pas, le problème qui se pose cette année à Disneyland Paris, c'est que toutes les décorations d'Halloween, si vous voulez, les fantômes de Main Street, enfin vraiment toutes les décorations d'Halloween, ils ont tout concentré dans Frontierland. Donc certes, enfin, c'est quand même joli ce qu'ils ont fait. Je vais pas dire c'est pas beau. Franchement, je trouve c'est assez joli avec du coup la thématisation pour le film Coco. C'est assez sympa. De nuit en plus, ça reflète parce que c'est éclairé par des lumières noires. Donc franchement, c'est joli ce qu'ils ont fait du côté de Frontierland. Mais le problème, si vous voulez, c'est que déjà quand on rentre dans le parc, on n'a pas l'ambiance d'Halloween, si vous voulez. Enfin, on a l'ambiance du 25e anniversaire, on a l'ambiance de Disney, mais on sent qu'il manque quelque chose, voilà, par rapport à la saison. Hein. Donc c'est un truc que je trouve assez dommage. De plus voilà que comme je disais il est dans Frontierland. Mais dès du coup qu'on quitte Frontierland, qu'on va vers Adventureland ou un autre land si vous voulez, on retrouve directement voilà on retrouve directement des endroits pas thématisés du tout pour Halloween. Donc c'est ça en fait qui fait bizarre je trouve. Voilà, je fais charger le château, c'est pareil qu'ils ont fait en orange. Parce que voilà, je rappelle Magicraft, enfin si je me rappelle bien de leur concept. Si vous voulez, c'est qu'ils reproduisent le parc Disney et après ils rajoutent un peu, voilà, ils font un peu des choses à leur façon. C'est pas plus mal, franchement, je trouve. Rien que pour les décorations, ça permet un peu de varier. Et on a toujours du coup les piliers avec les enceintes et les projecteurs. C'est assez sympa ça, je trouve. C'est plutôt bien fait. Donc là, moi, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qu'ils vont avoir fait dans Frontierland. Si jamais ils ont fait les mêmes décos qu'en vrai, franchement, ça peut être vraiment pas mal. J'espère qu'ils vont l'avoir fait. S'ils n'ont pas fait, bon, c'est pas grave non plus. Mais s'ils l'ont fait, ça va être vraiment bien. Ah non, ah, franchement, c'est bien. Bah, vous voyez, quand je dis un peu qu'ils inventent, si vous voulez, je trouve ça plutôt pas mal. Ces supports-là, si vous voulez, avec du coup les banderoles, il y en a pas dans cette partie. Mais je trouve le fait d'en avoir mis ici, je trouve que ça rend plutôt pas mal aussi. C'est une bonne idée. Parce qu'en vrai les banderoles voilà elles commencent du côté bah elles commencent par là, ouais d'accord, en fait ils ont changé. Mais je crois avoir compris que c'est fermé là-bas ou pas. Non d'accord c'est ouvert. Non en fait si vous voulez voilà ils ont un peu fait c'est pareil comme ils voulaient en s'inspirant des décorations de cette année. Donc encore comme je disais voilà ce qu'ils ont fait cette année au parc, c'est qu'ils ont mis des supports comme ça. Avec des banderoles et puis en même temps il y a des personnages du film Coco. Alors ça rend vraiment bien je trouve, c'est assez joli à voir. Juste ici après écoutez on trouve une photo location, alors c'est assez sympa aussi au vrai parc. Donc alors leur photo manor je sais plus si on l'avait fait, mais au pire pourquoi pas le faire, j'ai envie de dire ça rentrera vraiment dans le thème de la vidéo Halloween, ça pourrait être pas mal. Franchement le fait de voir le bout du château comme ça en orange, j'aime bien franchement, ça rend assez bien. Donc alors j'ai juste envie de voir voilà s'ils ont décoré par là. Ou pire, on le verra quand on fera. Ah bah non tiens, Phantom Manor est fermé. J'allais dire on le verra quand on fera Phantom Manor. Mais c'est pas grave, on va aller faire quand même un peu le tour, voir un peu toutes les petites décorations. Et Phantom Manor il me semble qu'il avait ouvert. Ou c'est sur un autre serveur, je confonds peut-être.
Mais il me semble qu'ils avaient ouvert Phantom Manor. Oh, ça c'est classe par contre. Franchement, c'est vraiment classe. Le fait de la photolocation en 3D, ça rend vraiment bien. Je vais essayer de me prendre en photo comme ça. Alors au vrai parc du coup, alors comme je disais pour Halloween, si vous voulez, enfin personnellement, je sais pas un peu, voilà, la vie pour les personnes qui sont allées à Disney cette saison. Moi franchement, je peux pas vous mentir, je suis plutôt déçu quand même de ce qu'ils ont fait cette année à Halloween. Simplement car en fait, on voit vraiment qu'ils ont, c'est vraiment que du recyclage qu'ils ont fait. Dans le sens où si vous voulez déjà le, je sais plus comment ça s'appelle. La Mickey Halloween Tricycle Gang, je crois. En gros, voilà les méchants qui sont sur des tricycles. Si vous voulez, c'est les tricycles du 25e anniversaire. Donc, alors, rien que sur ça, je trouve ça assez dommage, si vous voulez, parce que ça ne fait pas penser vraiment à. Ça ne fait pas penser du coup à Halloween, enfin, les chars, à part du coup les personnages qui sont dessus, qui sont en Halloween. Mais, enfin, ça, je trouve, voilà, c'est une petite erreur. Ils auraient au moins dû mettre quelques décorations d'Halloween sur les tricycles. Ça aurait été plutôt sympa, je pense. Et puis, ce qui est dommage, c'est surtout, voilà, qu'ils ont enlevé, du coup, la parade spéciale Halloween. Parce que en plus, je ne l'ai jamais vue, donc ça aurait été l'occasion. Mais, enfin, ça, après, je pense, ça qu'ils l'ont fait tout simplement, car il y a de la Disney Star Wars Parade, du coup, pour le 25e anniversaire qui vient d'arriver. Donc, je pense qu'ils ont voulu quand même, la laisser, voilà, pour marquer l'événement. Donc ça, après encore, voilà, je pense, ça peut se comprendre. Mais on voit du coup, voilà, ils ont voulu pallier vraiment à cette parade en faisant des petites animations, du coup, comme l'animation avec les tricycles. Et aussi, du coup, il y a la Skeletoon Party de Dingo, du coup, qui est dans Frontierland. Donc c'est pareil, c'est une animation que je trouve assez sympa, si vous voulez. Mais trop courte, c'est pareil. Dans le sens où on voit pas beaucoup de personnages déjà. On voit Dingo, on voit des personnes, si vous voulez, qui font bouger des squelettes. On voit une sorte de. J'aime pas envie de dire char, j'ai envie de dire une voiture, voilà, où ils ont collé des autocollants dessus. Et puis après, juste on voit directement après d'autres squelettes. Et si vous voulez, cette sorte de mini parade est terminée. Donc je trouve là c'est assez léger. Mais enfin, je pense, à mon avis, ils ont fait ça tout simplement pour pallier du coup au fait qu'il n'y ait pas de parade. Mais après, enfin, je ne suis pas trop inquiet non plus parce que ce qu'ils annoncent pour la saison de Noël a l'air vraiment intéressant avec des projections sur la tour de la terreur, tout ça. Donc c'est pareil, je retournerai à Disney pour vous filmer un peu tout ça. Donc enfin, c'est pour ça que je m'inquiète pas trop. J'espère, voilà, en tout cas qu'ils vont se rattraper sur la saison hivernale, mais enfin, j'en doute pas par rapport aux animations qu'ils proposent. Après, on verra tout ça au vrai parc. Mais comme je le disais, de toute façon, je vous filmerai tout ça. Et du coup, tiens, bon, puis on va faire Big Thunder Mountain, il est ouvert. Et en même temps, voilà, pour ceux qui sont encore sur la vidéo, je tenais à vous dire, voilà, si jamais vous tenez des serveurs ou vous connaissez des serveurs, je dis bien décorés pour Halloween, parce que, si vous voulez, là, je cherche un peu mal de serveurs décorés pour Halloween, voilà, pour rentrer un peu dans le thème de la saison. Donc n'hésitez pas à me les envoyer, à m'écrire les noms des serveurs directement en commentaire si vous le souhaitez. Ou autrement, ou me les envoyer par mail, mais si vous me les envoyez par mail, mettez l'IP avec. En commentaire, par contre, voilà, évitez de mettre l'IP, mais mettez au moins le nom. Et puis après, je pourrais essayer d'aller voir un peu tout ça, parce que j'aime bien, si vous voulez, visiter les serveurs en fonction des saisons, c'est assez sympa. Par contre, il y a des petits ralentissements. Mais ça vient, enfin, sur Magicraft, je crois, oui, c'est des textures 3D pour qu'elles chargent, parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal. Ah oui, par contre, mince, il y a des bugs. J'espère que ça va pas être tout le long de l'attraction. Au pire, bon, c'est pas grave, on fera avec. Mais bon, ce sera encore quand même plus intéressant sans les petits lags. Et à mon avis, là, c'est vraiment, voilà, en même temps, le temps que j'arrive à charger toute la colline. Toute la montagne. Donc je m'excuse vraiment s'il y a des petits ralentissements. Donc ils ont mis des petits feux d'artifice dans les bassins. En vrai, si vous voulez, ça fait une sorte d'effet, c'est pareil. Je dirais pas un effet d'explosion, mais ça fait un effet à moitié d'explosion dans l'eau. C'est assez joli à voir. Ah mais franchement, le fait d'avoir le train en 3D, ça rajoute vraiment quelque chose. C'est ce que je disais de toute façon sur ma dernière vidéo sur Europa Craft.
Dès qu'il y a des objets en 3D, ça permet de différencier un peu des autres serveurs et ça rend vraiment bien. Là, par contre, les bugs là, c'est. Le problème, voilà, c'est que ça gâche un peu l'expérience. Tac, je m'excuse, je vais juste couper le son du jukebox parce qu'en plus il est en décalage avec les bugs. Ouais, du coup, le deuxième lift. Où Lucas Terrix Coaster était déjà tombé en panne ici avec une évacuation. En fait, c'est un endroit ici où j'aimerais bien tomber en évacuation parce que ça permettrait vraiment de voir un peu toutes les coulisses de Big Thunder Mountain. Si vous voulez, voilà, une évacuation que j'aimerais bien faire à Disney, ce serait vraiment, vraiment BTM. Je m'excuse si je fais des coupures, si vous voulez, dans la vidéo, là, dans l'on-ride, tout simplement, voilà, comme il y a pas mal de bugs, je vais essayer de vous montrer un peu les scènes principales. Donc du coup, là, on est à la scène explosive. Donc c'est vrai, elle est plutôt bien faite. En fait, j'ai sonné explosif au vrai parc, je la trouve assez bien réussi. Le seul problème, voilà, c'est que l'effet de fumée, il a fonctionné pendant un moment, il a fonctionné dans les débuts. Mais depuis, il est jamais revenu et du coup, enfin, moi, j'ai jamais fait BTM avec l'effet. Je pense que ça devait être un peu plus impressionnant. Mais bon, c'est pas grave non plus. Mais j'espère un jour quand même pouvoir le faire, j'espère qu'ils vont le réparer. Voilà, du coup, on revient de l'autre côté, du coup, au niveau de la gare. Mais quand j'y pense, du coup, BTM, enfin, si je me rappelle bien, il avait ouvert en janvier, il avait réouvert en janvier l'année dernière. Et ça fait quasiment, ouais, ça fait quasiment, hein, presque un an qui va être, qui va, que la réhabilitation est passée, ça passe assez vite quand même. Enfin, presque un an, on est au mois d'octobre, pas tout de suite non plus. Mais bientôt, enfin, ça fera un an, donc ça passe assez vite, je trouve. Non, franchement, du coup, on est ressorti de BTM. Alors, je trouve, ils l'ont. J'avais déjà dit dans une vidéo, mais je trouve, enfin, franchement, ils l'ont bien réussi. Mais, enfin, le seul problème, voilà, c'est que ça. Il y a pas mal de lag dedans. Alors, ça vient des textures 3D, je suis sûr. Enfin, je pense que ça vient des textures 3D. Mais autrement, enfin, je trouve, ils l'ont vraiment bien réussi. Il est assez joli. Voilà, donc, du coup, alors, autrement, si cette vidéo vous a plu, alors, franchement, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter ou alors à vous abonner. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!